On en parle beaucoup moins, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Je vois de plus en plus d'hommes, bien évidemment, au cabinet, qui viennent pour un rafraîchissement du visage. Alors, bien évidemment, l'analyse du visage chez un homme diffère de l'analyse chez une femme. Très souvent, la demande concerne essentiellement le front, les rides du lion, la position des sourcils, parce que le mode de vieillissement dans cette région est différent du vieillissement féminin. Donc bien évidemment, on adapte à ce moment-là les injections et très souvent, de toute façon, on va y avoir peut-être plus tendance à utiliser de l'acide hyaluronique chez l'homme et peut-être parfois un peu moins de toxines botuliques pour éviter d'avoir un affaissement du sourcil qui est déjà relativement bas chez les hommes. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des techniques qui se démocratisent chez les hommes et de plus en plus d'hommes y ont accès. Parce que bien évidemment les résultats sont naturels et passent le plus souvent inaperçus dans la rue par exemple.